13,60. Ah oui, quand même. Salut YouTube, c'est Héloïse. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes partis faire un GRP du Pixelou, autour du Pixelou, parce que du coup il y en a 4. Je vous mettrai celui que nous faisons en référence. Et nous sommes par chance sous le soleil. Nous sommes à un point d'altitude de 125 mètres. Et voilà, c'est parti. On commence à être un peu dans le dur là, puisque nous avons quitté la route pour gravir le Pixelou. Voilà, donc ça fait 3 heures qu'on marche tout pile, 10 km de fait et 300 mètres de dénivelé. Les sensations sont bonnes, il fait chaud et frais, donc c'est très agréable. J'en bave quand même un petit peu, on va pas se mentir, et puis je pense à la chaleur, et je pense que j'ai pris quelques coups de soleil à mon avis ce matin. On verra ça demain. La montée est raide. On est vraiment monté au sommet parce que papy l'a dit. Hein.
réveil du deuxième jour sur le GRP. On a dormi dans un impliqueuse. Parce que cette petite soirée il pleuvait et du coup j'ai juste sorti la moustiquaire pour qu'on puisse dormir en fait à l'abri de la pluie parce que ça allait me poser trop lourd dans le sac. Et au moins on a bien dormi, on était au chaud et le sol était 100% plat, pas cailloux. Donc nuit idéale. Recommande à tout le monde de dormir dans un abri vif. Ah, vraiment, j'ai trop bien dormi. C'est la cloche qui nous a réveillés ce matin un peu violemment. À 7h, comme vous en doutez, à 7h du matin, elle spire qu'un coq. Hein. Pour du coup, on est en plus, on était juste en face. Hein. Je peux vous dire que ça vous réveille énormément. Et heureusement, elle s'est coupée à 22h et ouais, elle a repris à 7h. Donc elle nous a. Au moment où on était allé se coucher, c'était 22h. Et elle n'a plus du tout sonné jusqu'à ce qu'on se réveille. Qu'elle nous réveille. Et sinon, la vue que j'ai ce matin, je vous la montre de suite. Hier, on était tout là-haut, au niveau du pic Saint-Loup, qu'on voit pas trop. Voilà, donc ça fait 11 km que nous marchons sur un petit sentier en vrai qui est très agréable. J'ai un peu mal aux jambes en fait, le fait d'avoir mes règles, c'est comme si j'avais des poids au niveau des pieds, donc je me sens un peu lestée. J'ai essayé de tenir parce qu'on est deux et parce que il faut qu'on avance aussi. Mais c'est vrai que là, les 11 km, je ne les vis pas aussi bien que normalement le matin, on vit hyper bien la marche quoi. Mais il faut toujours croire en soi et c'est le mental qui prend le dessus, donc c'est ça. Il va falloir que je travaille aujourd'hui, le mental, au-dessus de mon physique. Bon, mais voilà, c'est la fin du GRP. J'espère que vous aurez apprécié cette sortie avec moi. Je vous ai pas parlé du sponsor Donnecoup de cette vidéo et des prochaines parce qu'en fait, c'est Donnecoup une entreprise qui me sponsorise jusqu'à mon prochain GR. Donc, je suis très contente de vous les présenter et donc je vais rentrer chez moi, prendre une douche. Et je vais prendre le temps d'en discuter avec vous. Et voilà, on se retrouve à cette fin de vidéo puisque ma randonnée est donc finie. J'ai fait le GRP Grand Pic Saint-Loup, le tour du village en fait du pic. Il fait 49 km et en gros, il y a 1200 mètres de dénivelé positif. Je ne vais pas y aller par 4 chemins, je ne suis pas allée jusqu'au bout. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, j'étais... dans ma période mensuelle, parfois qui peut très bien se passer et des fois un peu moins. En tout cas, là, j'avais les jambes beaucoup trop lourdes et j'avais sincèrement l'impression d'avoir toujours des poids au niveau des pieds. Et
souffrir autant des pieds et des jambes au bout du deuxième jour, c'est pas idéal pour marcher. Donc à un moment donné, il fallait quand même prendre une décision d'arrêter. C'est pas grave, de toute façon, dans tous les cas, on savait très bien que c'était un GRP qui était là pour nous organiser, pas nous organiser, mais nous tester, donc du coup, pour marcher ensemble sur du long terme. C'est pas la première fois qu'on part, bien sûr. Mais voilà, c'est pour voir notre niveau, comment il est, puisque du coup, je vous l'ai dit récemment, je vais partir pour un prochain GR. Donc le but, c'est aussi de voir comment sont mes réactions aujourd'hui, puisque ça va faire 2 ans, donc, du coup, que je suis pas partie. Le dernier que j'ai fait, c'était le chemin de Napoléon. En bref, ce GR est magnifique, ce GR est super. La seule chose que j'aurais rajouté à ce GR, c'est le fait de monter au Pic Saint-Loup, puisque en fait, de base, le tracé ne monte pas jusqu'au pic. Moi, je vous conseille vraiment d'aller faire un arrêt là-haut. Si vous voulez, vous pouvez faire une sieste comme moi. J'ai fait une sieste à côté de la falaise. Et moi, rien ne m'arrête. Je vous conseille beaucoup, de toute façon, cette région, surtout à cette période, la période de mai-juin. Je trouve que c'est le parfait moment pour aller dans l'Hérault. Déjà parce que ben, je trouve que les gens là-bas sont super cool. Comment justifier le fait d'aller au Pic Saint-Loup si je ne ramenais pas une fameuse petite bouteille de vin rouge? Donc, j'ai ramené à l'état pur. Donc qui viennent de la gravette du Pic Saint-Loup, voilà, qui a été primé, donc challenge millésime bio, dans du coup l'étiquette d'or en 2022, je pense, qui doit être extraordinaire, et pour tout vous dire, je vais le goûter ce dimanche. Voilà, donc du coup, mes petites trouvailles le long de cette randonnée. Je vais finir cette vidéo par une très bonne nouvelle, donc du coup, vous savez tous maintenant que je vais partir pour faire une GR. Et j'ai eu la chance d'être contactée par Oco Europe, donc du coup, qui commercialise des gourdes filtrantes, qui commercialise des gourdes de filtration de l'eau. Vous pouvez boire de façon instantanée votre eau. Bon, moi, j'aurais franchement aimé en fait faire une démonstration pendant mon GRP. Par contre, en fait, dans l'Hérault, il n'y a tout simplement pas de source d'eau, puisque donc du coup là-bas effectivement j'ai pu voir aussi les conséquences de la sécheresse, et les seuls moments où j'ai croisé de l'eau, malheureusement, c'était juste des tout petits ruissellements, et encore je sais même pas où trouver l'énergie de ruisseler cette eau tellement qu'il y en avait peu. C'était impossible pour moi de remplir ma bouteille, mais c'est pas grave. Donc oui, ok, j'ai pas pu la tester en conditions réelles pour pouvoir vous le montrer cette fois-ci. De toute façon, il m'accompagne donc pendant tous mes prochains mois de randonnée jusqu'à mon GR, et plus encore. Donc je suis très contente de travailler avec eux. Vous aurez toutes les indications de toute façon en commentaire. Je suis quand même partie donc avec cette gourde. Effectivement, il n'y avait que de l'eau pure dedans, donc je n'ai pas, on va dire, découvert la filtration encore. Mais c'est pas grave, on va le découvrir ensemble. Vous allez m'accompagner, elle va toujours m'accompagner sur toutes les prochaines randonnées. Déjà tout simplement parce qu'elle a un format idéal. Enfin, pour moi, c'était le format idéal, c'était le 1 litre. Avant que je vous explique comment cette gourde fonctionne, on va parler tout simplement de la gourde en elle-même. La gourde en elle-même, elle est composée de trois modules, on va dire. Le bouchon, le filtre que l'on voit juste ici, et la gourde. Le bouchon, lui, il est en titrant. Il est très agréable parce qu'il a un espace pour boire qui sort bien ici et qui est bien protégé avec ça. Ensuite, donc, du coup, vous avez un mini mousqueton. Et donc du coup, vous pouvez aussi l'accrocher ici, là. Du coup, le bouchon est également recyclable. Ensuite, donc du coup, il y a le filtre à l'intérieur que je vous montre de suite. Donc du coup, voilà le bouchon. Je vais dévisser le filtre. Donc voilà le filtre qu'il y a à l'intérieur de la gourde. Il y a plusieurs degrés de filtration. Ça fonctionne uniquement pour les eaux douces et pas par contre pour les eaux de mer. Donc n'essayez pas en allant à la mer ou à l'océan cet été, ça ne fonctionnerait pas. Donc hop, je remets mon filtre. Le plastique est en polypropylène, relativement léger, et c'est très souple comme plastique. À n'importe quel endroit, en fait, on peut voir que je fais de ce que je veux de ma gourde.
Et c'est relativement robuste. Ce qu'il y a surtout à retenir, donc, du coup, c'est que la matière en fait, plastique qui est utilisée sur cette gourde, elle est recyclable à plusieurs reprises. Et surtout, en fait, elle n'a aucune conséquence nocive sur notre santé, parce qu'on le sait déjà, il y a énormément de produits que l'on utilise qui sont mauvais pour notre santé. La gourde existe également en petit format, donc voilà, là c'est le format 1 litre, là c'est le format 650 ml. Et pareil, en fait, elle a un plastique mou, elle a le même filtre et le même bouchon en fait. Elle filtre quand même jusqu'à 400 litres. Il existe une application d'ailleurs, où si vous voulez, vous pouvez marquer à chaque fois en fait, aujourd'hui j'ai rempli ma gourde X fois. Voilà, et ça vous permet en fait tout simplement de calculer parce que bon, je me vois mal tenir un petit carnet. Alors aujourd'hui, j'ai rempli une fois, deux fois, et eux ils ont créé donc du coup une application qui vous expliquera aussi comment l'utiliser correctement parce qu'effectivement, quand vous la recevez comme ça, ben, déjà il faut laver, hein. Il faut bien laver la partie contenant, le filtre et la partie avant. Et après, donc, du coup, ils préconisent effectivement filtrer deux fois de l'eau sans la boire. Donc, le fait que je travaille avec Oco et que du coup, ils m'accompagnent pour tout cet été, ben, j'ai le plaisir aussi de vous partager un code promo qui est Oco Héloïse. Je vous mets tout de toute façon en barre d'informations. Je vous mets l'itinéraire que j'ai suivi. Je vous mets donc du coup toute l'histoire de Oco. Je vous mets mon code promo à nouveau. Donc du coup il est illimité pour l'instant dans le temps. Je vous en parlerai encore. Donc si vous êtes un peu sceptique, vous pouvez attendre mes prochaines vidéos. Je vous ferai donc du coup des démonstrations. En tout cas, je les remercie énormément si regardent cette vidéo d'être partenaire et de m'accompagner pour tout cet été et plus encore. Et puis en attendant, donc je vous remercie tous de toujours être aussi présents pour regarder mes vidéos. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis surtout à très vite pour une prochaine vidéo. Et elles arrivent donc du coup assez nombreuses pour cet été. Et donc du coup, je vous souhaite plein de belles et heureuses randonnées pour ce dernier jour férié. Salut !